mal dans la politique là. Avant mal dans la politique là. Gon réalité qu'a dessiné là qui m'a dit pour nous prudents et pour l'équipe pour nous inquiets. Radio Omega. C'est cette question de mettre du feu dans les forêts en Haïti. OK? Forêt de pin. Forêt de pin sont forêts que en pile monde a lancé de cris déjà pour sauvegarder. OK? Et MINUSTAH demande des populations hein, pour les sauvegarder forêt de pin. Plus que de 32 000 hectares de pin qui étaient au début du 20e siècle là. Et dans les années 2015, entre 2013 et 2017, c'est presque 6 000 litres. Qu'on n'aime pas combien de litres. D'accord? Gon déboisement massif qui a fait dans la forêt des pins, qui situe li entre Haïti et la République dominicaine, mais sous territoire pas nous. Et en pile moun parle de causes comme inondation, en pile moun parle de causes comme glissement de terrain. Et vous mettez des fois glissement de terrain meurtrier. Et là, il y a des gens qui croient que nous avons besoin de sensibilisation qui implique des haïtiens, de jeunes garçons, de jeunes femmes pour protéger la forêt de pins que nous sommes capables de considérer comme un patrimoine. Pas seulement la forêt de pins. Il y a pic Pacaya. Pic Macaya, nous avons une situation tout bien qui en voie de disparition. Pic Macaya. Le fait même que il y a coupé bois, il y a metté du feu, moi dit tête moi, projet pour finir à Haïti, il pas fait dans tout le monde, zam boule kay seulement. Et me bral don bagay. Un camion bois pain. Nan environ 2 millions de gouttes. Tade, me dis nous ça. 2 millions de gouttes. OK? Lorsque nous considérons Pic Macaya, qui gon altitude, à un certain moment, je voulais prouder dans sa map di yo. À un certain moment, 347 mètres d'altitude, je ne sais pas comment je peux prendre gros responsabilité parce que la construction même, la construction dans la destruction Haïti. Ça me le dit. Moi, je veux dire, il y a une bataille, il y a progressé. Pendant que tu as Haïti, ça, je veux faire la progresser. Et c'est dans ce sens. Je dis à la, je vais descendre au caille. Pour me parler avec un agronome Étienne François. Ndadou font-il parler tout ou bien m'ta capable font-il parler tout? M'ta capable font-il parler tout avec un agronome Jean-Charles Denis. Mais Jean-Charles Denis dit m'a un problème. On parler avec un agronome François Pito. Et immédiatement m'fin parler avec agronome François, immédiatement, je finis parler avec agronome François. Je parle pour un technicien dans le domaine ça. Pour expliquer nous déboisement, pour expliquer nous inondation, pour expliquer nous érosion, pour expliquer nous projet mettez d'ife, couper bois dans forêt, qui ça au kagen? Amazon. Ce n'est pas des appels, ce n'est pas des SOS qui a demandé pour protéger Amazon. Étude qui fait, je dis, dans les années 2030, nous avons une grosse difficulté pour nous faire de l'eau, pour nous boire. Ce n'est pas que nous faisons de l'eau, non? Mais, les études fait d'eau en 2030, nous n'avons pas besoin de l'eau pour nous boire. Et que nous, en 2023, gardons dans quelle situation nous sommes. Donc, les jours,
ou bien année qui va venir, il y a bien qui est en pile. Il y a bien qui est en pile. OK? Il y a bien qui est en pile. Et vous êtes ça me regarder avec ou ça partie ça. Et tout suite après pour me tomber dans politique là. Puisque dans politique là, il y a bien qui dit là qui est inquiétant. Moi son nèg qui pas dans accord moi-même parce que me veux respecter la loi, me veux respecter la constitution et me beaucoup grand moi côté dans la loi dans la constitution dit laisse ça pas gagner, laisse pas gagner président, pas gagner parlement, pas gagner député n'a pas accord. Li pas aucun goût. Aoudon, m'a fait un petit parler à Aoudon matin tout. Mais c'est Jean-Louis. C'est une invité matin. Me charger oui. Faut parler avec Aoudon François, me parler avec technicien, m'gain Aoudon, m'gain c'est Jean-Louis, me charger. Pique Makaya, forêt des pins, forêt nous, pour qui ça n'a pas coupé bois, mettre du fait comme ça, l'inquiété. Comment on remet, Dieu dit mercredi. Bonjour auditeur, bonjour auditrice, bonjour chaque haïtien pour un petit temps pour faire un échange avec nous pour nous parler pays. Donc, phénomène de par le monde qui est le phénomène El Niño. Radio Omega. Phénomène El Niño a ses conséquences. Paquet de gaz carbonique, que machine, que usine, que centrale nucléaire, que tout calte va avouer dans l'espace, qui fait que gon réchauffement climatique qui fait, ça veut dire qui ça? A dit température terre a vin pi gros, et li bay des conséquences extraordinaires. Et yon nan bagay ki pi grave ki gen, c'est que c'est pas pays qui produit carbone, you know? Cap victime de yo. C'est des petits pays qui pas responsables en rien. C'est des petits pays qui pas véritablement gagnent de grosses usines, de grosses centrales qui poussent la fumée toute la journée, toute la nuit, qui gagnent un paquet d'avions qui survolent. C'est eux-mêmes cap victime le phénomène ça. Haïti, c'est un pays, même j'ai un gros paquet de petits pays dans le Pacifique là. Cap victime de phénomène ça côté que nous est cyclone nous vinn pi fort nous te songe Mathieu nous prend tremblement de terre n'a prend inondation et réchauffement climatique là même j'ai le met du feu Los Angeles li mette la caille nous dans Makaya même si nous pas satisfait de dire ça seulement nous amuser nous n'a boule caille moun qui semble avenne malheureux malheureuse n'a plagué lorsque l'État existait, tu gagnais des contrôles qui étaient faits sous forêt des pins, sous Pic Makaya, sous plantation dauphin, parce que l'État, l'État existait, il connaît que faut garantir un ensemble de bagailles. Pour te protéger. Faut te garantir sécurité citoyen. Faut te garantir mieux être population. Il y a des gens qui t'ont dit François Duval était mettre en batterie sous tête pelig. Mais ou pas j'aime dire que le t'empêcher couper pied bois dans zone là pour que la clarté gagne de l'eau. Nous songe arrêter un certain batroni parce qu'il t'a coupé pied pain la forêt des pins pour te venir vendre la raquette la nuit la Port-au-Prince. Et il y a des gens qui ont l'argent dans les mains, des grandes familles, qui te qu'on a fait ça. Je dis à qui ça passe, nous. À 2347 mètres d'altitude, j'ai vraiment les sauts de là, c'est à côté de Makaya, il y a des mecs criminels qui décident de détruire ça, nous, et comme forêt. Mbadi chaleur n'a pas provoqué le nom. Mais qu'on volonté manifeste la caille ensemble de monde pour faire pays à mal. C'est pas ça mon banquier qui a financé acheter ça, acheter munitions dans pays qui fait le mal, non? C'est pas ça ma Ariel, André Michel, non, fait pays à mal. Qu'on ensemble de monde inconscient qui véritablement a metté nous de plus en plus dans des situations catastrophiques. Ma carrière est une chaîne de montagne qui l'amitant le sud de la Grandesse. Makaya a gagné de fougères là-dedans. C'est le seul côté au Cap Joigny après l'Amazonie. C'est des fougères géantes qui sont excessivement belles.
Macaya gagne des variétés d'oiseaux, il gagne des variétés de serpents, il gagne des insectes là-dedans, des papillons, qui véritablement c'est la seule qui existait sur la terre. Nous pas prendre chance. Nous a dit l'homme ne pas prendre chance, ça veut dire que nous pas prendre chance à prendre petit monde belle bagaille ça. Parce que l'école tipati panesmia ponea, li pon l'école pour Haïti. Nous pas prendre petit monde valoriser ça nous gagne comme patrimoine, comme grotte, comme faune, comme flore, parce que ça pas intéressé nous. Ça pas intéressé nous pour nous faire un pays. Parce que nous pon peuple. Grand-pam te kondine son ramassis d'individus qui ont pas qu'on côté. Avec le temps fini par rendre compte que li gen raison. Parce que nous pas solidaires, nous n'a pas parce que nous pas un projet commun, parce que nous pas défini un vouloir vivre ensemble qui fait que malheur youn c'est malheur pan. Qui fait que le gros parti dans population qui est en danger, faut ta répondre présent, faut ta solidaire, faut ta camper bon côté. Moi toujours douli, tellement de temps passé pour tout presse. C'est un d'affaire que le pays a, les grands groupes financiers, par exemple, ils ont pas payé pays en sachet de l'eau. C'est dans l'indifférence totale. Ou j'en vois grand groupe financier ou financer l'université, baïti moun bous, inciter la notion d'excellence en pays. Hier encore, on parlait à un professeur d'université, un recteur d'université, sur ce problème. Parce que pays a, ça crée les élites là, ça crée les mouns qui sont responsables, ça crée les mouns qui ont les capacités pour penser là, ça n'a pas intéressé. Est-ce que nous rendons compte que, depuis près de 18 jours, qu'au beau mon qu'au pestel, qu'au moulin, qu'au fond cochon, on regarde sous tête pique macaya, on va prendre du feu. Du feu parce que justement, il y a plus qu'on centaine d'hectares de terre qui est aboulé. Mais, bagay qui est là, il y a là, il n'y a pas d'accord mettre l'imam dans la lime ou bien mettre l'imam chargé d'affaires américains pour le demander pour que des hélicoptères ou bien des avions sautent là à Guantanamo pour aller jeter acide. Pour empêcher que ça nous rétait comme forêt au boulet. Ça n'a pas intéressé Ariel. Ça n'a pas intéressé André Michel. Ça n'a pas intéressé Minan Maniga. Parce qu'il n'y a pas un projet national. Il n'y a pas fait pays. Un million de plein là. C'est des esclaves domestiques qui arrivent là, qui ont été en satisfaction personnelle. Et même pas un bio. Oui, ça le dit avant. Dis Stéphanie, vous voyez papier faire au cadeau. Sous compte moi. Non, tu papier. Quel est le papier? Ou me dis Stéphanie, fait cadeau. Non, ou pas quand tu es dans le papier, il n'a fait blanchir là comme ça. Ou me dis Stéphanie, commandez sous nom. Son budget, lui. Comme d'où? Budget qui ça? Ce budget radio. Ah, bon, t'as dit, bon, le pays ça. Les n'a pas acheté feuille blanche pour le journal, le feuille journal. Les n'a pas acheté gaz. Ou on ne compte pas un coup. Chaque jour, la bouteille, c'est d'elle qu'on fait, oui. Ou pas tenir ça, m'dou là. Donc, on a une qui l'a acheté gaz vite. Budget moi. Évaluer le fait sur papier, vous le faire au cadeau de Scott. Je dis pas un bio, je dis même on fait. Comprends-moi bien. Mais l'un pour idiot. Depuis arrêté Ariel, t'es sorti, il t'a dit très clair que vous n'êtes pas donateur des deniers publics. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de budget. Puisque vous n'avez pas de rapport, vous n'avez pas de responsable de quoi que ce soit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a bail au petit moyen pour boire petit de l'eau, petit patéo, mais au pas un gros budget. Ça veut dire petit monnaie, la classe. Bon mais monsieur, mon ça c'est des monde qui viennent payer en bourrade, et pas des monde qui viennent faire l'argent pour riche pour construire capital économique. En tout dans pic macaille avec mon là celle-là. C'est pour me retourner sur ça que m'a dit ça. On aller. Ça dit que l'on pays côté que ou comme ministre environnement pas jamais gros évaluation faite de quoi que ce soit. Je vais d'agir un paquet comme l'ombre qui est le BESAP, soi-disant pour air protégé. Bon, si je suis ministre, comment le BESAP l'a mérité? Parce que faut que je suis ici, que je comment forêt peut faire bouler. Mais faut que je commence par expliquer avant comment camion qui a sauté en l'air, fait tout charger les planches pour descendre. Si ce n'est pas air protégé, ce n'est pas pour ça au PL. Ou bien si c'est l'autre bagaille qui a réglé. Nous souhaitons véritablement que l'Éternel bam en titan pour m'aider population ça à venir au peuple parce qu'il y a les moyens de faire
de ce groupe d'individus qui vivent sous territoire ça pour faire de nous peuple. Pour faire que nous avons croyance dans un projet commun. La volonté de vouloir vivre ensemble. La construire l'État-nation. La faire en sorte que chaque monde ait la même chance, la même possibilité. Et que l'argent de l'État est au service de tout le monde. C'est pas un vœu pieux. C'est possible. Et même, j'aime te dire, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a traversé le pays, on a pris un paquet de jeunes, on a parlé avec eux, on a fait conférence, on a mis des bagages. Parce que il faut véritablement un projet national. Il faut que nous capables de nous groupe de pression pour nous dire, moun qui aspire à gouverner, nous, paquet de zanzolites qui peut-être proviennent, non seulement nous ne pouvons pas quitter au rive pour continuer la destruction du pays, mais en même temps, faut que nous capables d'organiser tête nous l'autre gens. Faut que nous capables de comportement pour nous montrer aux yeux du monde que nous sommes peuple, que nous avons idéal à bâtir, que nous avons espérance commune, que nous avons sacrifice que nous tout avons fait ensemble, que nous consentis fait pour nous bâtir le pays. Il y a un d'abdouli. Les communautés haïtiennes du dehors, ils ont plutôt entré dans le gourmet pour qu'on qui est là d'ailleurs, val pas que l'arrière là pour le choisir pour mettre dans CEP. Au lieu que ils concentrent eux pour descendre dans la rue pour dire Biden génocide ça qu'a fait en Haïti là, Hillary Clinton, Bill Clinton, Madame Lalim. Comment est l'autre ambassadeur qui était qu'on levait oubli et Jacques Mel acclame au Tacmatelia. Pamela White, c'est ça? Pamela White. Ils sont tous responsables de ça. C'est pour nous accepter que nous sommes peuple, même il y a tout notre peuple qui est capable de revendiquer pour bien être lui. Je dis à fond, suspendre faire politique de salon pour que ce soit Ottawa ou Montréal, que ce soit New York ou bien Miami, pour nous descendre dans la rue, pour nous dire véritablement mais ça fait mal, et pour nous pointer du doigt responsabilité gouvernement américain dans la destruction totale du pays. Ça, là, nous finissons de battre l'estomac nous, pour nous dire mais faute pas nous, mais côté véritablement complicité par nous arriver. Est-ce que vous pensez mettre 10 filles, couper pied bois, dans la forêt, il y a un cadre global ou un projet global de destruction Haïti à tout. Les résultats, ils ont politique internationale à Gimpou. Vous m'avez dit, où t'es Timoun? Mais pas pour le cadre de ça. C'est ton chef section, oui, à combattre tes méthodes. Ça le clé. Ça le clé. Puis quand quelqu'un a venu dire qu'il m'a fait le. Il va utiliser le bâton, etc. Il va utiliser le bâton facile, non? Puis ce chef section, il n'est pas seulement sous dictature. Sous estime pays a été contrôlé, oui. Sous ma gloire pays a été contrôlé, oui. L'armée pas de bon rôle répressif, non? Sous rôle répressif, non? Sous estime. Je dis, hein? Les États-Unis mettent en bas aux armes sous pays, hein? Les États-Unis ne veulent pas que nous l'armée et que décider que la paix mette gang, tout n'est terroriste, dans face pour bêtiser la population, non? Faut que je dois être sous l'hypme, dire oui, vous êtes responsable. Comme chercher un cabinet d'avocats international pour mettre le gouvernement américain en justice pour génocide de la face au pays. Là. Parce que c'est ça lié. Il faut que nous assumions, il faut que nous ayons mal courage pour nous dire mais qui est-ce qui est responsable de malheur, même le nous-mêmes, tous nous responsables, on partit le malheur pas nous. Et Mdabdouli, et Oumanes toujours répète, son construction destruction Haïti. Et c'est la première fois qu'il a appliqué. Moi, d'où après 1904, les chancelleries de par le monde, ils ont arrangé pour que les cacos, les piquets, les anglais, craser le pays, craser Port-au-Prince, bouler justement plein de la Tibonite, craser toute qualité de bagarre, etc. Parce qu'ils étaient voulu réduire cette première nation nègre en déchets. Et c'est ça, fait jeudi à l'heure. Nous rendons compte. Nous rendons compte. Et tout le monde connaît que moi-même, Balavalas. Mais nous rendons compte en 2003, en 2004. Tic-tic-tic-tac, ambassade courir la moué pour nous que massacre fait tel côté. Tic-tic-tic-tac, ou te rendu compte comment que des gros ONG dans le pays ici, ils ont dénoncé justement ça qu'a fait
Oui. Mais pour qui ça veut dire être en silence? Je dis ambassade américaine pas au courant tout massacre qu'a fait dans ville là. Je dis ambassade américaine pas qu'on est que hier, yo té bay gang cob pour que installation t'a fait. Même l'ambassadeur est allé, même l'ambassadeur pas honte, il y a la prestation seulement de voler avec la cour de cassation. De qui ça n'a parlé là? C'est vrai qu'une bonne société. C'est vrai qu'une sont bonne blingue ding. Mais au moins il y a un minimum. C'est ça. Et avant moi que na parler au défaut Macaria pour qu'on y a là même d'avlé et aller pour annoncer autorité yo ça qui passe dans pays là son bagarre qui grave. Nous ta dû gagner un penchant sur question environnement. Et pas oublier depuis après cyclone Mathieu et qui était passé en 2016, environnement prend gros coup dans le département dans le grand sud là. Et vin jouen tremblement de terre 14 août, vin rivé, n'a dit forêt Pic Macaya pour l'autre grand coup encore. Donc ça veut dire pour moi-même, mon remarqué gagne une négligence au niveau environnemental, mon pas soucié de environnement et pourtant c'est un bagage catastrophique qui a passé actuellement en dans forêt Macaya. Donc maintenant Pic Macaya qui ça représente pour nous dans le grand sud, c'est poumon. C'est poumon, c'est réserve, c'est plus grand réserve nous gagnons dans le grand sud là, c'est Pic Macaya. Et c'est lui-même qui bat naissance à plusieurs grandes rivières qui nous a dit qui générait la phréatique que nous gagnons dans le grand sud. C'est Pic Macaya. Pic Macaya, premièrement, il bat naissance à rivière Les Anglais, et il bat naissance à rivière Port-à-Piment, il bat naissance à la ravine du sud, il bat naissance qu'on partit même dans rivière Bramilette de Rochabato qui sorti dans zone ça il va naissance à rivière Voldwog dans l'autre partie qui allait sous partie nord Pic Macaya qui prend naissance en rivière ça et même gon partie dans rivière Roseau qui sorti dans zone Macaya qui prend naissance ça veut dire pour moi même excusez-moi Ago. Oubliez bras gauche, bras droite qui va à Grandos. Oubliez bras droite. C'est un bras ballon, la rivière la Grandos, qui prend naissance en dedans et Pic Macaya. Donc ça veut dire Pic Macaya. Rivière glace, lui, pour Liel. Pardon? La rivière glace qui est dans une zone pestelle, qui prend naissance en dedans Pic Macaya. Ça veut dire pour moi, Pic Macaya, non seulement au niveau hydraulique, il c'est un gros bosson, mais au niveau, on a parlé de faune, on a parlé de flore. Pic Macaya, c'est réserve ça, il est représenté pour nous. Tenez bien. Pic Macaya, depuis après le tremblement de terre, des fois alerte, des lançons alerte, des dit, faut que l'autorité prenne ça en considération pour prendre un hélicoptère, pour survoler Pic là, parce qu'il y a un pile éboulement qui fait dans Pic là, après le tremblement de terre 14 août. Un pile d'éboulement qui fait. Pic Macaya, m'bagaye exactement dans tête moi là, mais il est plus que 8000 hectares de terre. M'bagaye dans tête moi exactement pour me dire, comprends? Mais il est plus que 8000 hectares de terre. Donc ça veut dire, c'est une grosse agglomération qui méritait de protéger, qui méritait un grand souci, mais malheureusement, moi je l'ai Pic Macaya, j'en l'y a. En nous allez, m'appelle nous Pic Macaya. Pic Macaya, sous passe par le prêtre, ou monte Platon, ou arrivez dans le parc Formon. Dans le parc Formon, c'est là où capable de commencer. Si vous passez dans le sud, vous passez dans l'Okaï, vous allez dans le parc Macaya. Là, arrivez dans le parc Macaya, vous regardez pique le ciel. Mais après, comme le mandat de terre qui passait le 14 août, zone ça où il y a un grand éboulement qui fait là-dedans. Là, vous regardez, vous passez et vous quittez Pic Macaya, vous passez par Randel, ou vous passez Douillette, pour monter Grande Plaine. L'arrivée en l'air, ça c'est là, rivière Port-à-Piment avec rivière Les Anglais prennent naissance. C'est un bagage catastrophique, mais qui est-ce qui garde? Personne ne peut pas le garder. Oui, mais sous-titrage hélicoptère pour elle là. Ni le camp de Somaturine, ni le Port-à-Piment, où est l'éboulement fait dans le monde? Ni le camp de Somaturine, ni le camp de Port-à-Piment, où est tout éboulement qui fait. Mais là, on commence à rapprocher, puis près, puis là, l'arrivée dans la zone douillette. Si on moun gen ki ap mete démon nan tête ou il en moins pour dire garder dégâts qui fait nan Pic et nan Pac Macaya à partir de Douillette l'arrivée dans zone et Port-à-Piment côté M. Djoulala. Donc moi même
mais c'est aller parce que femme bien moi-même monsieur Agoué comme indépendant va travailler ni pour ministère agriculture ni pour un ministère environnement mais je travaille pas moins dans cadre indépendant donc comme Agoué l'homme qui soucie de l'environnement de la caille moi toujours à regarder mal les porter surveillant sous sa capette parce que par l'état qui a embauché moi-même c'est l'amour que pour pays ça nous un bel pays comme ça nous gagne une belle réserve naturelle nous gagne comme ça qui plus grande réserve dans Caraïbes là pour nous garder les gens là souffrir baga la fait mal. Dernier quand tu es allé dans une zone qui est et dans Onze. C'est un pic qui est dans Onze qui est dans zone parc là mais qui est en pile avant arriver dans pic le ciel. On est brutalisé dans Onze zone ça net, n'a coupé tout pied bois à pain qui gagne. C'est là dedans nous fait toute planche la gagne dans rivière. Yo peut-être soit dans rivière les Anglais ou bien dans rivière Portapiment, yo crasé pour aller pour aller vendre planche. Donc moi-même, nous faisons un premier appel demandant un SOS pour éviter pour monde qui a débalisé pas la course, qui a coupé toute bois là-dedans pour la rivière, pour aller descendre soit les Anglais ou bien soit pour Portapiment, pour aller vendre planche comme ça, ça sont des ordres. Ce sont des ordres totales. Nous passons encore, malgré dans zone et là nous passons dans zone en miel. Pour aller passer dans zone en miel, pour aller passer dans zone des barrières. Là, regardez, ouais, chaque rivière en de Pâques là, sont l'autre catastrophe qui arrive en de Pâques là. Je vous permets mon second, agonome. Je vous permets mon second. Moi, t'as visité zone ça. Ou qu'on est que gagne des mouns qui soi-disant c'est des élus. Ils mettent des scies électriques dans zone pour couper planche pour eux. Eh bien, c'est parce que l'État pas fait travail. C'est parce que l'État pas, ou pas la loi qui a fonctionné en de pays. La loi, je dis la loi, c'est universelle pour tout le monde. Mais pas pour autorité. Pour capable de profiter des pouvoirs qu'ils ont gagnés pour brutaliser un pacte comme ça qui sont réserves naturelles. Et voilà qu'on y a là des conséquences là. Depuis après le tremblement de terre et 14 août, qu'on y avait une grande sécheresse qui frappait dans la zone ça. Et pas qui sécheresse. Actuellement là, ma lancé au SOS, après fin de parler là, le grand goût a déjà commencé et puis il y a un grand goût, une grande catastrophe. Si l'État va faire, qu'on y a là. Et Haïti n'a pas fait rien. Pour sauver Pâques Macaya, pour sauver le Grand Sud, déjà, vous avez vu qu'annoncé là, son catastrophe, les alliés, parce que la pluie va tomber. Avant d'aller la pluie va tomber, la pluie va tomber, jardin pas fait, qu'on y a bête à mourir. On va regarder sécheresse ça, pas de sécheresse ça avec Ouagounob, mais avant d'aller là, puisque m'apprendre tout, on camion planche. Avec bois pin ça va parler là yo c'est environ 2 millions de gouttes livan donc là on a décidé entrer dans ça pour qu'a dit soit comme commerce ou bien comme business li pas tenu compte de impact la gagne sous pic Macaya ou bien sous Fourea. Et voilà c'est là n'a parlé l'état côté responsabilité l'état dernièrement nous quoi hier directeur ministère environnement qui a parlé qui dit que pac la gagne seulement 8 agents forestiers. On parle qui gagne près de plus que 8 000 hectares de terre qui gagne seulement 8 agents forestiers. Qui gagne 8 agents forestiers à ce travail dans un parc qui gagne plus que 8 000 hectares. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il n'y a pas équipé agents forestiers. Agents forestiers, quand on fait plusieurs temps, il n'y a pas rien touché. Il y a des gens qui veulent gérer son agent forestier. Même agent forestier, il y a des fois, ils sont obligés de fermer, ils ont ça qu'à perdre. Supposons qu'on machine qui rentre dans le parc. Mais toutefois, il y a une responsabilité, Agonome. Il y a une responsabilité. C'est ça. Non seulement il y a une responsabilité, et puis il y a des conséquences tout. Ah, donc maintenant, nous gardons là, et en amont et en aval. Ça qui a privé là, coulé là, sont gros problèmes pour l'État central, l'État pays d'Haïti, ministère environnement, ministère agriculture, et donc on a parlé de ministère de travaux publics, tout ministère est ensemble pour être affaire, nous portons bourré. Donc maintenant, pour gérer, nous avons parlé le pic et le parc Macaya. Parc Macaya, ça me représente tout à l'heure, tu as posé une question, pas de répondre. Il y a une série de plantes, une série de pieds bois. C'est un parc là seulement capable de venir, non seulement dans le Caraïbes là, mais venir dans le Grand Sud là. Donc c'est seulement dans le parc Macaya où je viens et des plantes endémiques ça. En plus, il y a une série de bêtes, tu as parlé dernièrement, tout à l'heure, et il y a des bêtes qui sont les agoutis, qui sont un gros rat. Que pas j'ai l'impression en pilote dit capitaine pas dit que ça pas connaît mais des ça qui les agoutis donc c'est seulement dans pic Macaya dans parc Macaya ou calo je regarde espèce animal ça yo on prend tirer les ratnes longues donc ça veut dire j'ai un pilote et c'est j'ai un pilote qualité et tant qu'on regarde les caleçons rouges tant qu'on ça les oiseaux nationaux pour pays avec les caleçons rouges qui les lames anglaises sont l'autre oiseau nous gagne
c'est seulement dans pic Bacaya ou capable de joindre et la Manglaise. Il y a des qui ont les 4G. Par exemple, 4G, il y a voie de disparition de pays. Mais si vous allez dans pic Bacaya, vous avez joindre 4G, vous avez joindre la Manglaise, vous avez joindre un petit petit. Il y a aussi des bêtes ou aussi des oiseaux, vous connaissez, genre environnement en fait là, dans l'hôtelier, dans l'altitude liée, donc ils viennent servir un habitat ou une série de bêtes qui ne peuvent pas vivre dans l'espace qui est très bas, c'est dans l'altitude de la bête, ils allent aux réfugiés, aller ça. Donc, il y a des mêles qui envoient des disparitions, il y a des ramiers. Vous venez dans une zone ça pour aller pour jouer une qualité de bête. Moi-même, ça, moi, qui ai passé dans Pic Bacaya, je l'ai gagné Pic Bacaya pour contre lui. Pour qui ça, une série de planteurs, qui montent en l'air, de profiter de l'espace là, c'est là où on fait jardin bois, c'est là où on fait jardin et d'adium, vous profitez de négligence de l'État, vous profitez de naïveté de l'État, vous profitez de insouciance de l'État pour le pays, et bien ça, vous fait, vous agit brutalement sur l'environnement. Vous l'avez dit, j'en revle dans le parc là. Vous l'avez dit, pour faire qui ça? Pour au moins être capable de prendre braille, pour avoir un espace pour vous couper bois? Attendez bien. Il y a plusieurs raisons qui expliquent la guerre du FIA. Premièrement, les gens ont besoin d'un pile espace pour faire jardin. Ils ont obligé la guerre du FIA, ça crée les balisages. Dans la guerre vulgaire, les paysans ont le balisage, ils ont fait balisage, ils ont balisé. Ils ont la guerre du FIA pour faire plus d'espace pour faire jardin, pour planter bois. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, les gens ont une série de. Parce que vous connaissez du FIA, lui-même, la guerre, il n'y a pas de limite. Depuis la guerre, il a fait des gars. Par contre, c'est pas mal qui contrôle. Et c'est une bagaille qui nous décourage les paysans pour suspendre brûler terre parce que brûler terre n'a pas aucun avantage pour le sol. Là. Mais nous, le plus souvent, nous sommes très résistants à ça. Donc maintenant, les gens qui ont fait brûler, nous parlons qui est conséquence de pas capable de gagner sur l'environnement. Nous avons une partie de notre monde qui brûle terre, nous dit là où brûle terre, dans le sens du feu côté où brûle terre, qui est bois et vin plus. Évoluer dans ce sens-là. Donc, maintenant, qui n'est pas vrai, qui sont au moins tuyaux, mais. Même vous les faire garder, tout vers boucan. Même vous les faire garder, vous faites boucan. Malheureusement, il y a sacré les micro-organismes qui n'ont pas été là. Les gens, ça, ils mettent du feu là-dedans, ils brûlent, mais ils ne sont pas rendre compte. Parce que nous avons une formation au niveau paysan, et ils sont dans ça. Mais qui traîne les faces pour le sol, là? Les gens, ils font boucan. Donc, nous toujours décourager les gens pour ne pas faire du feu, mais les paysans, toujours, ils sont brûlés les terres. Je pense que c'est là-dedans qu'il a fait plus bon pied jaune, plus bon pied patate, plus bon pied poisson, c'est dans le sens du feu. Donc, maintenant, ça, c'est une deuxième raison qui fait mon lieu mettre du feu. Troisième raison qui fait mon lieu mettre du feu, c'est que des gros pieds bois géants, pour profiter, mettre pieds bois sur la terre, c'est avec du feu seulement qu'on est capable de mettre, attaquer la terre du feu pour qu'on mette la terre, pour qu'on fasse planche. Là. Et gros, l'autre série de pieds bois encore, qui se boit paix, mon lieu profiter, mettre du feu là-dedans, mettre la terre pour qu'on capable de jouer. Ou y'a le vendre guapé dans le marché. Ça veut dire, mounio, si paquet guapé ou bien bout guapé, là le vendre, mounio essaye de mettre du feu dans le guapé. Et j'aime ça tout à l'heure, du feu pas contrôlé. Et là, mounio lage du feu, et surtout dans le guapé, du feu c'est gaé. Et quand y'a gaé sécheresse, gaé vent, pas gaé la pluie, n'importe qui du feu lage, ou de lage dans l'espace qu'il a, m'da dit là, et là, il y a pris un kilomètre, il y a pris deux kilomètres, et puis l'a gaé parce que vent a poté l'aller. Et nous avons l'État qui n'a pas même bon hélicoptère, nous avons l'État qui n'a pas même bon avion, pour nous même aller visiter la forêt pour garder même qui sont capables de contrôler la situation, ça qui a passé actuellement. Bon, pour moi-même, ça qui a passé dans la forêt, la Litris, et son SOS, son alerte nationale, côté l'État besoin de mettre des pieds, si c'est concours à demander l'autre nation qui soit disant que c'est amis Haïti, qui a un hélicoptère, qui a un avion, pour demander. Prêter, parce que même question, c'est une question, pour qui ça Haïti, il n'y a pas de propre hélicoptère par nous, son pays n'a pas de propre hélicoptère par nous, pas de propre avion par nous, alors que l'argent a gagoté à gauche à droite, donc pour régler des affaires sérieuses dans le pays. Donc maintenant, nous demandons pour le ministère environnement, pour le ministère agricole, c'est l'argent qui a loué actuellement pour louer l'hélicoptère, pour y aller tenir du feu, donc dans la forêt, pour faire ça tout de suite, parce que si nous quittons la forêt, ça détruit, nous mettons tout détruit la vie dans le pays. Donc maintenant, nous mettons tout acheter une bombe, nous bombarder le pays parce que les réserves nous gagnent dans le pic Bacaya là, libre et tout le monde a constaté. Il y a une chance de parler avec le magistrat. Il y a un magistrat, Jérémy, qui m'a demandé, et je connais le magistrat Pierre-Henri, qui était venu hier, qui m'a demandé qui j'ai arrivé. Même si je dis magistrat, allez avec des mains, nous, sans nous parler, et au Kishol, pour nous constater du fait qu'on a fait l'État central
l'État, ministère de l'environnement, ministère de l'agriculture, besoin de mettre pieds en terre, jouer un hélicoptère, ou bien jouer un avion, qui pourrait aller tenir du feu, qui nous donne ça, et puis c'est ça qui a porté solution. Pour moi, ça. Très bien. Donc maintenant, Gen ki etude men gen, lò pale ou abondant, m ki tou pale pou audite ou ka komprenne de ki sop pale, men lò pale m tale a espas boule pou fè jardin, nan tèt pa moun yo fò konnen espas sa pa la pou fè jardin. Bon, se men komunikasyon, men moun si ki le, swa direksyon departemental la, ka mette de yo pou explike ou sa, men dezem baga, ou pale de yon konseri de plant, se nou gen yo, ou pale de yon paket bet, ki la nan espas sa, une fois que y a boulé, une fois que y a coupé pied bois yo, donc plante yo pas existe encore, bête yo pas là encore, espace la vin tout nos désert. Comment n'a sorti la dans ni lorsque nous considérer que l'état lui-même, li pas gain soit mandé yo, soit avion, soit hélicoptère, même dans relation avec l'autre pays, puis près nous là, yo était capable mandé ça, mon pas senti volonté ça ou envie comprendre que l'état par contre si espace ça existait. Attendez. L'État déclaré zone ça, zone air protégée. Il a déclaré, il connaît. Au contraire même, il a apporté. Il voulait faire apportage dans le pic Macaya. Il a tout donné honnête. Moi-même, c'est ça que les négligences de l'État. L'État, son État négligent. Ou l'État m'en fout bien. Pays, par contre, l'État m'en fout bien. Ce soit l'État ou il n'y a pas l'État. C'est des bagages. Ce soit l'État ou il n'y a pas l'État. Tout le monde fait des zones. Donc, nous, pays, pas marcher comme ça. Son pays n'a pas géré. Nous, besoin de gérer dans tout sens. Soit sur le plan environnemental, soit sur le plan n'importe la sécurité, n'importe la, son pays n'a pas géré. Mais ma présidente me question, ça qui a passé là, est-ce que son pays tout bon, il y a des gens qui sont responsables qui ont géré le pays là? C'est ça que le matin, m'a placé au SOS sur Radio Méga, pour me dire l'État pour responsabilité de la sorte là. Qui sont capables de déclarer aux zones air protégées, et puis les paysans là, ils ont fait ça, vous voulez? Et les gens qui sont là, ils ont fait ça, vous voulez? Ou bien ils ont fait ça, vous voulez? Les gens là, ils n'ont pas touché. Banque agent pas de matériel là-dedans, il n'y a pas de côté pour eux. Si un agent, par exemple, aller dans une zone, et par exemple, Grand Plaine, pas même un espace, je mettais pour agent, il y a dormi. Comment? Si tu as un appli ou bien, si tu as un barré pour agent, il a dormi. Il n'est pas équipé. Agent, il y a un goût dans une zone. Pour qui ça, il y a 8 mouns, faire sous plus que 8000 hectares de terre. Qui ça, il y a 8 mouns pour régler là-dedans? Sans équipement, sans matériel, il n'y a pas même un pétan dans mes yeux. Même si tu as un bête sauvage qui n'a pas besoin, il n'y a pas protégé, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'équipement. De sécurité, on parle de M. ANAP, monsieur dame, Agence nationale des aires protégées, ANAP qui est dans BESAP, ou bien BESAP qui est dans ANAP. C'est ça que tu as parlé, pas gagnant? Ma part de c'est moi à tout l'État, global, pays d'Haïti, toute entité qui fait partie, qui était ANAP, ministère de l'environnement, ministère de l'agriculture, tout l'État, yo mette force yo, moi-même m'a demandé yo, pour yo viriger, garder non seulement forêt, et pique Macaya pour Kounia, au côté de Mtapli, non, journal de l'autre forêt encore dans le pays qui s'est réservé, qui a attaqué. Bon, forêt d'être même, pour l'État, pour l'État prend responsabilité. Le pays, par contre, marche sans forêt. Le pays, par contre, marche sans réserve naturelle, sans faune, sans flore. Ça n'a pas existé. N'a pas demandé l'État, yo. C'est pas seulement dans le livre pour le chita, il y a gardé faune, il y a gardé flore, et puis, moun yo a battu l'estomac, yo. Mais nous besoin de faire activité pratique dans le pays, ça. Nous besoin de des zones réserves protégées, tant qu'on pique Macaya, nous lancer un SOS là. Nous demandons pour moun yo, non seulement, moi-même, toujours gros projet, toujours proposé à l'État haïtien, et m'a tout profité, mi quoi, pour me lancer l'État, à l'État haïtien. Zone, ça, yo, ça va Kounia là, nous avons plein de technologies, des drones qui ont fait. Des drones à la guénoncée des zones pour faire forêt dans la zone taille. Des hélicoptères, ils sont capables de louer, ils sont capables d'acheter pour mettre ces masques là-dedans, aller dans la zone taille pendant la période de la pluie, remettre ces masques qui sont adaptés dans la même zone taille, laguer dans la zone taille pour remettre pieds bois en dans la zone taille. Moi-même, je dis l'État central, il y a un gros problème de l'eau et le monde là a couru son problème de l'eau. Et si nous quittons Pic Macaya, et actuellement là, si nous quittons Pic Macaya, réserve ça finit aller détruire avec du feu, côté tout le déjà, après tremblement de terre qui était passé là, il y a une source qui sèche, ça qui passe, terre à fond, sous ce descend net, y aller. Et il y a un pile côté, et une zone qui est les bois piquants, dans une zone côté moins qu'on allait plus souvent, l'arrivée les Anglais, on fait 17 têtes de marché, sorti dans la ville les Anglais pour les bois piquants, c'est zone malée. Zone ça, l'eau commence à sèche, paysan, par exemple, l'eau pour le bois. Et
m'pas quoi l'État reconnaître si des moun ça ka vivre dans zone étude qui dit d'ici 2030 n'a pas gros problème de l'eau. Gen étude qui dit ça. Et voilà, mais Pestel actuellement là, Pestel est confronté à gros problème de l'eau, Corail, des gros problèmes de l'eau, Beaumont, des gros problèmes de l'eau. Kounia, c'est dans la rivière Glace qui n'est pas dans le sud, obligé de placer un traitement pour essayer de prendre un camion de l'eau pour porter par Moun Pestel pour aller au secours de Moun Pestel. En pile bête à mourir, en pile bœuf, en pile cabri, en pile cheval, en pile cochon, en pile bête à mourir à cause de par Moun de l'eau pour le bois, en pile mouton. Donc, les îles Caïmites, ma place est SOS, parce que même si c'est un pays net, c'est pas seulement moi qui étais un côté marché en pile de pays, et ça va garder dans le pays là, son catastrophe. Les îles Caïmites, pas gain de l'eau, Pestel, pas gain de l'eau, toute commune Pestel, Pestel, moi, c'est une commune qui presque à 294 km carrés, ma fin son île, peut-être, exactement, par les, il faut calculer, mais Pestel, c'est une grosse agglomération liée. Donc, maintenant, qui est 5 sections communales, il n'y a pas de l'eau là-dedans du tout. Actuellement, là, c'est une grosse crise de l'eau qui est dans Pestel. Et ça, c'est tout profiter micro à tout pour lancer au SOS, à mon qui est camion citerne, pour mettre le camion citerne disponible pour porter de l'eau dans la commune Corail, la commune Beaumont, la commune Pestel. Quand il y a là, c'est un petit cadeau que tu as fait mon parce que la pluie qui avait près de 5 mois, la pluie pas tombée dans la zone. Yo. Et maintenant, je vous parle tout à l'heure là, parce qu'il y a un grand goût, parce que j'ai des paysans qui pas planté, il y a des terres qui sacrées. Et depuis 3 mois, 4 mois, là, il n'y a pas qu'à planter parce que pas de jardin. Jardin, bon, on y a mouru. Jardin, pas de mouru. Il n'y a pas qu'à pousser. Ma gade, ça m'a gade là, moi-même, ma bande, comme moi, pas responsable pour l'État, mais moi-même, je travaille citoyen, pas moi, en tant qu'agronome. Et ça m'a gade là, dans l'étude, pas moi, grand goût a déjà annoncé. Il n'y a pas qu'à planter parce que pas de la pluie, pas de l'eau pour y planter. Et si y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a là, peut-être là, la pourri, la mouru. Pas de jardin. Donc, moi-même, ma place, on appelle. Mon chita seulement à focus sur Port-au-Prince, sur question gang, gang bloqué pays. Bon, moi-même, c'est ça, m'a dit. Si nous quittons le pays, ça va être gang, nous partis. Et puis nous négligeons l'autre partie, environnement, moi-même, m'a demandé, dans quelques temps encore là, qui s'est parlé. Moi, je laisse ça, il y a une construction de la destruction d'Haïti. En tant que tête, nous avons parti. C'est gang, c'est politique, et que pas grand équipe moun qui prend question environnementale là à cœur. Donc, n'a continué mourir en babal avec décision politique yo, et c'est décision politique qui pas bon tout, qui pas prend, nan intérêt environnement qui mette nous dans sa nye là, qui fait que non seulement faune, flore yo a fini, bête yo a fini, nous pas qu'à planter, c'est pied bois yo a coupé pour yo faire jardin et pour yo vendre. Donc, n'a progressé dans destruction pays ya. Bon, si tu me racontes un témoignage qui passé, on habite en Corée, l'élème. Il y a un bœuf, il y a 16 000 dollars pour bœuf là. Il n'y a pas de il quitte le retour dans le marché, après deux semaines encore, bœuf là, il maigri, il y a 10 000 dollars pour lui. Quand il y a 6 000 dollars sur bœuf là, il y a un bœuf là pour le vendre pour 10 000 dollars, il y a un bœuf là pour lui, sans l'eau. Il vendre pour 5 000 dollars. Le bœuf pour lui, il n'y a pas payé. Ça veut dire que nous avons perdu 16 000 dollars. Imaginons un habitant qui perdit dans le moment ça. 16 000 dollars, soit 80 000 gouttes, nous avons regardé qui quantité et déficit qui rentrait en dans l'économie pays, qui perd pays, ça perd sur plan économique. Tenez bien, concernant l'industrie paysan, qui est marché en Haïti, c'est fait charbon. Fait charbon. Mais par exemple, l'État, depuis longtemps, qui vous dit non, haltez là, allons chercher une autre option au lieu de faire charbon, au moins nous avons demandé pays qui ont mis Haïti. À nous faire contrat avec eux, il y a nous gaz propane, et gaz pour aider les villes, on va consommer gaz. Quand on joue un gaz à bon marché, joue un fou à bon marché, pour être suspendu pour le charbon. Donc, tout paysan, on va faire charbon. Des centaines, des milliers de camions à port de charbon, sortis d'Amnari, les Iwa, Jérémy, Beaumont, Pestel, Corail, tout partout, Lacoste, les Anglais, Tibiron, les Chardonniers, Bonavimant, tout à port de charbon chaque jour. Vous devez aller soit à Port-au-Prince, ou bien Vinokai, ou bien aller dans la grande ville, où le pays a fini dans le menu. Où c'est parce que il y a des zones environnementales, vous ne coupez bois, vous voulez, j'en voulez, l'air vous voulez, et pas grand monde qui a dit non pas couper tel pied bois, vous ne du bois, pas de l'autre recours. C'est un pied mangol qui pour la machette, il a acheté pied mangol, il fait charbon. Il fait le bon temps, mais après, il n'est pas venu encore. Vous n'avez pas de bel pied, véritable, bel pied avocat, il coupe, il fait charbon avec, il douce seulement ça le café. Mais maintenant, l'État dans le pays a quitté, il fait ça, il fait des autres dans l'environnement, et voilà qu'on y a là. Mais qui est comme résultat? Pas de l'eau, pas de jardin, et
la pluie va tomber, qu'on y a là, peuple là, aux abois. Moi-même, m'a demandé, profiter micro, espace et méga matin, hein, pour demander l'État pays à prendre responsabilité, nous. L'État pays a pas quitté Haïti disparaître, j'en ai disparaître là-là. Soit sous plan sécurité, soit sous plan politique, soit sous plan économique, soit sous plan environnemental, sous plan agricole. Moi-même, rote m'gaye, c'est le nouveau pays qui a produit toute qualité. Et ça nous mettait là dans nous la guerre dernièrement, moi, Haïtien, après ma ces grands militants sous frontière dans mes phénomènes. C'est un vote lié. C'est parce que nous-mêmes, dans le pays, ça, l'État, avec Haïtien par route encore, nous, moun par route encore, je fais ça, vous voulez, je quitte le pays, à craser, nous, moun par route encore. Premièrement, demander l'État pour nous prendre route. Moun qui l'ont tête l'État, ministre, c'est à l'argent, pour le chiffre dans le projet, mettez l'argent dans le projet, nous, à prendre route. Pour nous comprendre, nous gros pays, nous besoin de diriger, nous gros pays, si je, même genre, tout pays sous planète là, pour nous prendre responsabilité, nous. Parce que nous gros trois belles pays, ou trois gros pays, pour nous quitter pays à gaspiller, les gens à gaspiller là. Mais même, ça fait mal, pour moi, pita, c'est bateau de l'eau, les États-Unis prennent côté devant nous, c'est faire nous cadeau, bien bateau de l'eau, Canada prend le côté, faire nous cadeau, c'est bateau de l'eau, notre pays prend le côté, faire nous cadeau. Nous, international, la drop. Nous, il drop. C'est parce que nous pas prendre responsabilité, nous venons sans vote. Nous venons comprendre nos pays, nous pas faire ça, nous devons faire, et puis nous venons pour nos poids pour l'international. Moi-même, ça m'a dit, avant de tiens à parler matin avec l'État pays, prenez responsabilité, nous. C'est pas galoper machine, monter, descendre, c'est aller exactement.